enseignante, je crée un mur arrosé et gazé. L'histoire a provoqué une onde de choc sur la nation entière. Sortis en masse pour rendre hommage à leurs collègues décédés sous les coups de couteau d'un de ses apprenants, ceux-ci vont se voir interdire l'accès à la morgue et plus tard la procession dans la ville de Yaoundé. Les seigneurs de la craie sont en colère. Ils dénoncent de nombreux cas d'agression dont ils sont victimes, regrettent l'impunité qui s'installe aujourd'hui dans nos écoles, l'insécurité dans les établissements. Bref, ils déplorent les conditions de travail. Dans le registre des faits divers dans nos établissements scolaires, l'assassinat du sieur Tchomi Tchakouté Boris aura certainement été la goutte de trop. Car s'appuyant sur ce meurtre et ce qui s'en est suivi, les enseignants exigent la tenue d'un dialogue national sur la violence en milieu scolaire, la tenue d'un forum national de l'éducation, une recommandation du grand dialogue national. Des assises qui, selon eux, marqueront un pas décisif vers le retour à la sérénité en milieu scolaire. Ce dernier aspect, associé à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, sont là quelques axes du combat que mène l'invité de ce soir. Il était au cœur de l'organisation de l'hommage du 30 janvier dernier et sur le théâtre des opérations à Yaoundé, dans la région du centre. C'est d'ailleurs dans cette région qu'il va faire tout son cursus académique. Titulaire d'un baccalauréat A4 espagnol, il obtient en 2009 une licence en lettres bilingues à l'université de Yaoundé 1 et puis en 2014 un diplôme de professeur d'enseignement de second grade de l'école normale de Yaoundé. Né le 2 novembre 1987, après un passage au lycée technique de Douala Bassa, il est actuellement en service au lycée de Ngoulmekong, c'est à Yaoundé. Le président du collectif des enseignants indignés du Cameroun est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Jacques Bessala, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à STV, bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Alors, comment vous allez? Je suppose que comme vous êtes là, vous vous êtes remis de vos blessures. Eh bien, je vais mieux, je vais beaucoup mieux, je dirais, physiquement, parce que comme la plupart de mes collègues qui ont été physiquement tabassés, hein, et moralement tabassés aussi, par les FMO qui étaient sous les autres, il faut le dire soit en passant, je vais mieux. Bon, j'ai reçu des coups au niveau du bras gauche que vous voyez. Je ne peux pas me mouvoir parfaitement pour le moment, mais avec les massages et tout ce que je reçois comme traitement, ça va mieux. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le mal qui a été fait à mes collègues et du primaire et du secondaire et du supérieur qui sont sortis par milliers, vous avez tous vu. Nous avions tout simplement voulu rendre hommage à notre jeune collègue Tchomi Tchakouté, qui est sorti de l'école normale en août 2019. Et comme l'a si bien dit le président de la République, qui était plein d'enthousiasme, qui était consciencieux, et ce collègue qui a été abattu dans des conditions vraiment horribles, en pleine salle de classe, cela a vraiment choqué la communauté éducative, la famille éducative. Et au vu de... les violences, les agressions que nous subissions déjà dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, jusque-là, nous nous sommes dit, ben, tiens, ben, quelque chose, il faudrait quand même qu'on fasse savoir qu'il y en a marre, voyez-vous. Donc c'était, oui, pour rendre hommage à notre collègue, mais aussi pour saisir l'opportunité afin d'attirer l'attention de l'opinion sur la dangerosité de ce problème, de cette question de la violence en milieu scolaire en général, mais en particulier celle de l'agression des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Avant de poursuivre, ceux qui ont, comme vous, hein, ceux de vos collègues qui ont également été tabassés, gazés et tout. Est-ce qu'ils vont mieux? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles aujourd'hui? Nous avons le cas de deux collègues, dames, l'une d'elles asthmatique, qui avait inhalé ces produits, je dirais, d'une autre nature. Alors, les deux ont été hospitalisées, elles vont mieux, d'après les informations que nous avons reçues. Mais il y a plusieurs autres collègues, hein, qui ont beaucoup subi dans cette histoire. Tout le monde va mieux. Mais le mal, pour nous ici, n'est pas physique.
ne nous limitons pas au physique, parce que bon, même si vous me coupez ce bras, vous voyez, il y a ma tête qui reste. Cette tête, elle porte les séquelles du traumatisme, voyez-vous. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de questionner quand même les méthodes de dialogue, entre guillemets, employées par nos pouvoirs publics. Mais vous allez nous dire au fil de l'émission déjà, qu'est-ce qui a été le déclic? On vous a tous vu, on vous a vu sortir pour marcher, vous avez été arrosé, vous avez été gazé. Qu'est-ce qui a été le déclic sur le terrain? Très bien. Tout commence la veille. Tout commence la veille. Nous autres, nous avions été en contact avec la famille Ndiomi Tshakounté, notamment son papa. Moi, j'ai beaucoup échangé avec son frère cadet. Alors, au cours de nos échanges, tout portait à croire que on voulait nous écarter des obsèques de notre collègue. Voyez-vous? Parce... Qui voulait vous écarter de ces obsèques? Ben, les gens que vous avez vus le lendemain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le papa, il nous a dit, vous savez, votre mobilisation me sera plus utile à Bazou qu'à Yaoundé. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que nous ne voulons pas de mobilisation à Yaoundé. Mais cela nous a fait bizarre. C'est le premier élément. Le deuxième est que nous avons reçu des informations vers 3 heures, comme quoi des gens voulaient tout faire pour que le corps de notre collègue soit exfiltré de la morgue à 4 heures du matin. Or, nous autres, nous avions prévu la mobilisation pour 6 heures au CHU. Alors nous avons alerté nos collègues, mais on ne peut pas nous voler les obsèques de notre collègue quand même. C'est la deuxième chose. Lorsque nous nous rendons au CHU, bon, certains y étaient déjà à 5 heures, étant donné l'alerte qui a été donnée. Lorsque sonne 6 heures, il y a d'abord une mobilisation, un dispositif sécuritaire, si vous voulez, qui est mis en place. Je me dis, ce sera pour encadrer, normalement, puisque nous attendions à des milliers de collègues qui voulaient se rendre au CHU. Mais petit à petit, il y a des petits gris-gris qui commencent à se mettre en place, comme pour nous écarter. Vous voyez, il y a ces stewards-là qui prennent possession, je dirais, du corbillard. Il y a ces gendarmes et policiers. Le dispositif sécuritaire se fait de plus en plus lourd. Et il y a ce corbillard qui est encerclé par eux, vous voyez. Et nous recevons une information du genre, le corps sera levé. C'est-à-dire, il sera, après la mise en bière, c'est-à-dire dans le cercueil, après c'est le corbillard et puis il s'en va. Et ce sont des pleurs. Nous avons dû insister à partir de là. Mais attendez, il y en a un peu marre. Ndiomi Tshakounté n'était pas un homme en uniforme. Il nous appartient même, nous, de porter son corps. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette histoire? Et après beaucoup de tiraillements et tout, accès a finalement été donné au corps de notre collègue. Mais vous voyez, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, les tensions deviennent de plus en plus vives, parce que nous avions dû encercler la morgue pour dire que si nous n'avons pas accès au corps de notre collègue, ce corps-là ne sortira pas du CHU. C'est quand même du jamais vu. Pourquoi nous fait-on cela? Alors, après, les collègues étant déjà tellement chauffés, énervés, vous voyez, c'est ainsi que nous décidons d'accompagner le corbillard nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de policiers, nous n'avons pas besoin de militaires pour ça. Il n'y avait pas de militaires, bon, des gendarmes, si vous voulez, il y en avait. Alors, c'est comme ça que ça commence à... C'est ça, le déclic. Et ça explose véritablement lorsque nous arrivons côté Synergies africaines, le portail est fermé. On nous dit, vous ne sortez pas, seul le corbillard sort. Nous avions voulu accompagner notre collègue jusqu'à l'EPC, Église presbytérienne camerounaise de Messa. Nous avions voulu l'accompagner là-bas, mais nous n'étions pas une foule hostile. Nous étions une foule, comment dire, meurtrie, certes, en colère, certes, mais nous faisions le deuil. C'est de cela qu'il était question. Alors, il y a un dispositif d'intimidation qui a été mis en place, comme pour vouloir nous disperser et des choses de ce genre. Cela n'a pas donné, ça ne pouvait pas donner. Puisque, étant parti du CHU pour une levée qui a eu lieu vers 9 heures, nous étions dans les 3000, 3500, mais plus ça bloquait,
à Synergie Africaine, et plus la foule grossissait. Voyez-vous, et on a fini à 7000 ou 8000 par là. Alors, nous avons eu des discussions, j'ai eu des discussions avec le papa de notre collègue, le pauvre. Moi, j'ai compris qu'il était sous pression, il était intimidé, sous pression. J'ai eu des discussions avec lui, je lui ai dit, écoutez papa, vous êtes notre collègue, soit dit en passant, 25 ans de service, vous savez comment ça se passe. Diomi Tchakounté est notre collègue. Cette famille, ce deuil, il appartient aux enseignants. Alors, pourquoi veut-on nous refuser de rendre hommage à notre collègue s'il est même dit, et c'est grave, s'il est dit que du côté du lycée classique de Nkolbisson, ses hommages académiques avaient été annulés. Voilà autant de choses qui ont énervé les enseignants. Pourquoi annuler les hommages académiques de notre collègue qui est mort là-bas, la craie à la main? Alors, qu'on nous permette tout au moins d'accompagner notre collègue, après nous viendrons au village, etc. etc. Bon, ce qu'exigeaient les forces de maintien de l'ordre, je voudrais pas qu'on fasse focus sur ces gens-là parce qu'ils sont sous les ordres des décideurs. Alors, ce qui nous était demandé, exigé, était de laisser sortir le corbillard, de prendre des taxis et des motos et de rejoindre le corbillard du côté de Messard. Nous avons refusé. Donc, c'était là le blocage. Mais quelle était la raison de l'interdiction? La raison est tout simplement que, d'abord, voilà les raisons qui m'ont été données. Il y a menace terroriste. Ils ont reçu des informations il y a quelques heures, comme quoi il y a une menace d'attentat terroriste. Ben, je me suis adressé à ce commandant-là et à ce commissaire. Ben, si vous avez reçu ces informations il y a des heures, quel dispositif avez-vous mis en place? Quelles mesures avez-vous mis en place pour encadrer cette procession afin, puisque vous avez le renseignement? Après, ils ont dit, écoutez, de l'autre côté du portail là-bas, il y a les badauds qui sont venus de Mokolo, hein, les vendeurs à la sauvette. Ils ont promis de tout saccager. Si vous sortez là, ils vont vous infiltrer et ils vont tout saccager. Je leur ai dit, cher monsieur, écoutez, nous ne sommes pas à notre première manifestation. Nous avons un service d'ordre. C'est la première chose. Nous sommes bien disciplinés. Nous sommes des enseignants intellectuels et tout. Alors, nous sommes bien organisé, du moins en ce qui concerne le service d'ordre, et vous êtes là. Encadrez-nous. Que viendront chercher ce que vous appelez les badauds ou les vendeurs à la sauvette de Mokolo dans nos rangs? Ils ne viendront même pas. Regardez-les, ils nous observent à distance, ils partagent même notre douleur et ils sont respectueux. Donc, voilà les arguties, madame, hein, qui ont été avancées. Je dis arguties pourquoi? Parce que j'ai la conviction tranquille que l'objectif de tout ce dispositif d'intimidation et tout, était d'empêcher une mobilisation de cette envergure à Yaoundé. Et j'ai entendu, et je crois que nous avons raison parce que par la suite, nous avons entendu que là, il y a une mobilisation qui a été faite pour renverser le régime en place. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, ben, ces gens, vous prenez les Camerounais pour des fous? Vous aimez le président de la République plus que qui? Vous êtes plus patriote que qui? Les enseignants sont fâchés. Et les enseignants ont voulu s'exprimer tout en faisant le deuil de leurs collègues. C'est de ça qu'il est question. Vous racontez à gauche et à droite que la mobilisation a été récupérée par des hommes politiques. Vous voulez insinuer que ce sont des hommes politiques qui nous manipulent? Attention! Quel est cet homme politique qui peut manipuler près de 8000 ou 9000 enseignants du primaire, je veux dire maternelle, primaire, secondaire et supérieur? Attention, c'est à nous de vous enseigner la manipulation. Ce n'est pas à vous de venir nous manipuler. Donc, restez vraiment tranquille. L'objectif était de nous empêcher de nous mobiliser. Car ceux qui racontent au président de la République que tout va bien, hein, tout va vraiment chez les enseignants, tout va bien, il n'y a pas de souci et tout. Cette mobilisation-là était synonyme de ce n'est pas tout qui va bien, voyez-vous? Voilà un peu. Alors, comment ça se passe d'habitude, hein, pour savoir, pour nous, hein, pour notre nouvelle, comment est-ce que ça se passe d'habitude lorsqu'il y a décès d'un des vôtres? Lorsqu'il y a décès d'un enseignant, nous sommes là dans le cadre de l'éducation, ce système éducatif, si vous voulez, mais vous verrez la même chose chez les hommes en uniforme, vous verrez la même chose chez nos cousins de la toge qui sont les juristes. Il y a des hommages académiques qui sont organisés. Et tenez-vous tranquille, madame,
ces hommages académiques ne concernent pas uniquement les enseignants issus des écoles normales supérieures et INSET, c'est-à-dire les fonctionnaires. Elles concernent, ces hommages concernent également, du moins, il s'agit des enseignants. C'est-à-dire que vous soyez vacataire, que vous soyez... Du moment où vous avez tenu la craie dans un établissement, vous avez droit à ces hommages-là, à ces honneurs-là. Donc, ces hommages sont organisés dans l'enceinte de l'établissement, hein, avec tout le dispositif que vous pouvez imaginer, tout le monde en toge. Parce que cette toge-là, c'est le reflet de la graduation, c'est le corps, ce sont les couleurs du corps là-bas et tout. Alors, ce sont des hommages avec des discours et tout ce que vous voulez, tout ce qui va dans le sens d'une cérémonie d'hommage. D'accord. Voilà comment ça s'organise. Alors, vous, Jacques de Sala, quel était exactement votre rôle ce 30 janvier-là? Quel était votre rôle? Était-ce la mobilisation des enseignants ou était-ce il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas émeute? C'était quoi exactement votre rôle? Très bien, je suis à la tête de cette mobilisation parce que je l'ai préparée pendant 2 semaines. Je l'ai préparé pendant 2 semaines et il était question pour nous. D'abord, pourquoi ai-je dit tout le monde à Yaoundé? Tout le monde à Yaoundé, hein, pour rendre hommage à notre collègue. Ces hommages-là lui ont été refusés ailleurs. Nous allons le faire. Ce n'est pas un non-name, on ne va pas l'inhumer comme un non-name. C'est la première des choses. La deuxième, il y a une sorte de communication de la part de notre ministre, je le dis ici et je l'assume, qui a choqué la nation tout entière. J'allais jusqu'au marché, des mamans en parlaient. Que mais la maman ministre là, comment elle peut dire que l'enfant là n'était pas en son lieu de service et tout. Tout ce qui a semblé préoccuper notre ministre est que Njomi Tshakounté était plutôt affecté au lycée de Panké Djindoun là-bas à l'ouest. Voyez-vous, cela a choqué la famille éducative. Notre ministre croyait se ponspilatiser en le faisant, mais c'est nous qu'elle a insulté. Nous nous sommes sentis insultés. Il était donc question, vous irez dans tous les établissements, tout le monde était choqué. Et nous l'avons fait savoir par réseaux sociaux, tous les groupes d'enseignants. Alors, il était question pour nous d'exprimer cette frustration-là. Parce que notre patronne, lorsque vous êtes patron quelque part et qu'il y a une crise, vous devez savoir communiquer en période de crise afin de ne pas provoquer des soulèvements ou de la révolte. Mais elle nous a beaucoup révoltés à travers cette communication-là. Et vous pouvez le vérifier, tous ceux qui en parlent, tous ceux qui commentent là-dessus, ils en parlent vraiment. Alors, c'était également l'occasion de dire, il y en a marre. Il y en a marre. Des sous-préfets qui demandent aux enseignants de s'asseoir à même le sol ou se mettre à genoux devant leurs élèves et leurs collègues. Des commandants de brigade qui vont gifler, qui vont tabasser un surveillant général dans l'exercice de ses fonctions pour des problèmes de discipline de sa fille. Madame le sous-préfet d'Ayos qui va agresser physiquement notre collègue Ondoa du côté du lycée bilingue d'Ayos, des parents d'élèves. Récemment, vous avez un autre gendarme qui a tabassé et un surveillant général et un censeur du côté du lycée de Bonassama. Vous avez des parents d'élèves qui viennent dans nos établissements, qui agressent des enseignants et des responsables. Vous avez nos élèves qui nous frappent dessus et, cerise sur le gâteau, Njomi Tshakounté est assassiné par notre élève. C'était une façon de dire, nous vous avons dit que l'école est en danger. L'école est en train d'être tuée. Et ce silence venant des pouvoirs publics, ce silence venant de la société, il est complice. Alors, nous allons vous dire qu'il y en a marre et il faut que quelque chose soit fait. Alors, ce sont tous ces éléments-là qui m'ont poussé à organiser la mobilisation du CHU. Nous n'étions pas là pour d'autres raisons, d'après ce que, contrairement à ce que racontent les gens, bien entendu, nous n'étions pas là pour d'autres raisons. Nous étions là pour faire le deuil. Et lorsque vous faites un deuil comme celui-là, vous ne pouvez pas ne pas exprimer votre ressenti.
Voyez-vous? Et ce ressenti-là, relativement à la violence, aux violences en milieu scolaire, pour être général, agression contre enseignants, conditions, les autres conditions de travail hein, des enseignants, les conditions de travail des lauréats des écoles normales supérieures, les textes qui sont dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un certain nombre de choses que nous avons formulées comme, comment dire, comme exigence à la limite, comme doléance pour être doux. Voilà un peu pour la mobilisation. Bon, sur le terrain, donc ce 30 janvier, votre seul rôle sur le terrain, c'était mobiliser. Ce n'était pas fait en amont. Je veux dire, ce 30 janvier, oui. Exactement, oui. Quel était votre rôle à Yaoundé, à ce moment-là, sur le terrain? Notre rôle à Yaoundé était... Votre rôle à vous. À moi, oui. Notre rôle, mon rôle à moi, oui. Était... de conduire la mobilisation que j'ai organisée. D'accord. Les collègues sont venus de partout du Cameroun. Mm. Alors, on s'est dit, mobilisation au CHU, on accompagne notre collègue. Il fallait encadrer cette mobilisation. Je n'en suis pas à la première. Si vous prenez du 27 mars au 29 mars 2017, vous nous aviez vu du côté du ministère des Finances et des enseignements secondaires et de la fonction publique. Je l'avais également organisé, cette manifestation-là. Il fallait la mener. Je veux dire, cette mobilisation-là, parce que à la fin, ça a eu des allures de manifestation, étant donné toutes les provocations que nous avons subies venant des forces de maintien de l'ordre. Il fallait encadrer les collègues jusqu'au point de chute. C'est de ça qu'il était question. Les encadrer, et puis on se disperse. Et enfin, nous continuons avec les obsèques côté EPC de Messa et pour ceux qui veulent aller au village, côté village. Mmh. Et vous verrez, je vais le dire en passant, vous avez vu comment ça s'est passé à Bazou? C'est exactement ce qu'on nous a refusé à Yaoundé qui s'est passé à Bazou. Vous avez vu les images? Procession funèbre sur des kilomètres et des kilomètres. Les deux voies de la route occupées par les enseignants en touche. Qui sont arrivés jusqu'au domicile familial avec le cortège. Mais pourquoi, à tout prix, a-t-on voulu nous l'empêcher, empêcher cela à Yaoundé? C'est pour des raisons évidentes. Lesquelles? Bah, les mêmes raisons, c'est-à-dire, tout va bien, monsieur le président, ces gens-là, ils dérangent, ils racontent des histoires, puisque par la suite, vous avez entendu des hommes politiques, certains hommes politiques, dire que y a eu une récupération politique des obsèques de Ndjomi Tshakounté. C'était pas le cas? Est-ce que vous n'avez pas été approché? Est-ce que je n'ai pas été approché par des hommes politiques? Peut-être. Mais vous me croyez... est-ce que nous sommes aussi naïfs que cela? Nous ne nous mêlons pas du jeu politique, mmh. Nous autres. Nous restons corporatistes. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Vraiment, que ce soit clair pour les deux camps. Parce qu'il y a un camp parti au pouvoir, régime en place, si vous voulez, et de l'autre camp, l'opposition. Vous voyez, ils peuvent jouer leur jeu, mais nous autres, on ne se mêle pas de leur jeu. C'est de ça qu'il est question. Mais je pose cette question parce qu'il se dit quand même que lorsque des militants d'un certain parti sont sortis, vous avez fait une sortie sur la toile pour dire c'est normal de tabasser cela. Et quand ça revient chez les enseignants, là, vous êtes indigné. Non, je n'ai pas dit qu'il était normal de battre cela. Voici ce que j'ai dit. Moi, je me suis limité à un seul niveau. J'ai parlé des forces de maintien de l'ordre. Si l'ordre doit être maintenu, qu'il soit maintenu. Le problème n'est pas avec les forces de maintien de l'ordre, mais avec ceux qui prennent les décisions. Alors, ceux qui prennent les décisions, ces décisions-là sont motivées. Voyez-vous? Ces décisions sont motivées. Et là, nous sommes dans le domaine purement politique, si vous voyez ce que je veux dire. Or, ici, nous sommes dans un domaine purement corporatiste. Ce n'est pas pour dire qu'en réalité, je suis pour la brutalité policière et tout ce que vous voulez. Je n'ai fait que dire dans mes postes qu'il revient que les forces de l'ordre fassent leur travail. Les forces de l'ordre ont fait leur travail sur moi, en me battant par exemple. C'est pas bien pour vous et tout, mais je ne leur en veux pas. J'en veux à ceux qui ont donné les ordres, à ces forces de maintien de l'ordre-là. Mais peut-être là, est-ce que vous comprenez pourquoi on fait le lien? Vous avez fait des sorties quand il s'agissait de certains politiques, oui. Et on peut faire le lien en se disant il a l'habitude de faire telle chose. Mais, voilà pourquoi il peut avoir été contacté par des politiques. Ça devrait faire ironie du sort.
Le parti politique dont vous parlez, je suis peu aimé et peut-être mal aimé par certains sympathisants de ce parti-là, à cause de mon approche, je dirais, un peu trop critique du leader de ce parti politique-là. Ce que je lui ai critiqué, je lui en veux, par exemple, de se faire passer pour un ange aujourd'hui. Or, il a été avec ceux qui se font appeler démons depuis toujours. Il a été avec eux pendant 7 ans. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle des contradictions, en fait. Donc, j'ai fait une sorte de focus sur lui pour relever quand même, pour rappeler quand même que ce monsieur a été avec eux. Donc, bon, voilà, on peut me l'en vouloir. On peut me l'en vouloir. Voilà mon approche qui est purement critique et c'est vérifiable. Ce que je vous dis est vérifiable. Alors, on peut m'en vouloir de critiquer, comment dire, ce leader-là et tout, mais je n'ai rien. Je n'ai rien, en substance, hein, je n'ai rien contre ce parti-là. Les mêmes qui le disent, ce sont les mêmes qui ont dit que je suis à la solde du régime en place. Ce même régime en place qui me soupçonne, ou du moins pas le régime en place, certains petits malins de ce parti du régime en place, qui me soupçonnent d'avoir été de mèche avec les mêmes de l'autre côté qui disent que je suis... Mais voyons, à la fin, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que lorsqu'on est corporatiste, restons corporatistes. Si on mêle corporation et politique, du moins dans le cadre du 30 janvier 2020, ça ne va rien donner. D'accord. Alors, votre ministre, le ministre de l'enseignement secondaire, a tenu une rencontre hier. Oui. Vous y étiez ? Non. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire, au lendemain du 30 janvier, c'est le 31 janvier, j'ai été convoqué à une réunion de crise au Premier ministère, réunion de crise présidée par le secrétaire général des services du Premier ministre. Alors, j'y étais avec mon équipe, mon bureau, le bureau exécutif national du collectif. Et nous avons débattu de ce dont je vous ferai part dans quelques instants. Et pendant que j'y étais, j'ai reçu l'appel du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires qui essayait d'arranger un rendez-vous avec Madame la ministre pour une réunion, j'imagine, de crise. Pour le lundi, lundi d'il y a 2 jours là. Alors on s'est entendu, on s'est dit ok, lundi, d'accord. Et j'ai communiqué là-dessus. Moi je ne cache jamais rien. Mais dans le communiqué final, le communiqué de la réunion avec le ministre, secrétaire général à la primature, j'ai fait mention de certain nombre de choses. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle j'ai été mis à l'écart des travaux d'hier, puisque j'ai fait savoir au ministre SGPM que la famille enseignante, entre autres, parlant des frustrations, puisque nous sommes revenus sur les circonstances du décès de Njomi Chakunte, nous sommes revenus sur les circonstances de l'incident du 30 janvier, et je lui ai dit un certain nombre de choses, y compris le fait que les enseignants se plaignent du caractère hautain de notre ministre et de sa communication. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Sa communication a contribué à envenimer la situation. C'est ça qui est la vérité. Alors, j'ai mis cela sur papier dans le communiqué que j'ai publié. Alors, ce n'est que via réseaux sociaux que j'apprends hier. Nous étions le 5 hier, oui. Que j'apprends que la réunion s'est tenue avec des aînés syndicalistes qui m'accusent également d'être à la solde. D'être traître. D'être traître à la solde, bien entendu, du gouvernement. Vous voyez un peu. Vous allez nous expliquer cela parce qu'on veut bien comprendre. Vous voyez qu'on ne se retrouve plus. Et ce soir même, vous aurez droit à une copie d'un communiqué que j'ai bâti aujourd'hui avec mon équipe. Nous nous désolidarisons des résolutions adoptées côté MINESEC. Vous allez nous donner déjà ces résolutions-là. Nous n'y étions pas.
Moi, je n'y étais pas non plus. Mais j'ai entendu parler. Je suppose que vous devriez savoir ce qui s'est dit. Quelles sont les résolutions qui sont sorties de cette rencontre-là? Ils disent avoir posé les problèmes des enseignants qui vont peut-être trouver des solutions. Et ce qui m'a amusé, c'est très rigolo, hein, madame, excusez-moi. J'entends parler d'un dialogue national sur les violences en milieu scolaire. Ça rime à quoi, ça? Ça rime à quoi? Nous avons besoin de poser sur la table un dossier technique sous forme de matrice, dossier technique dans lequel nous proposons des solutions concrètes comme ça pour la résolution de ce problème de violence en milieu scolaire. Nous l'avons fait au niveau du Premier ministère et j'en ai envoyé copie au ministère des Enseignements secondaires via le secrétaire général. Je lui ai envoyé copie de ce document-là. Nous avons pu recenser, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de violence en milieu scolaire, qu'est-ce qu'il faut, proposer comme solution aux violences en milieu scolaire? Nous avons demandé la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines pour résoudre ce problème-là. Et nous avons convoqué un certain nombre d'acteurs dans notre dossier. J'aimerais qu'on revienne parce que là, vous avez évoqué un sujet tout à l'heure qui m'intéresse. Vous avez parlé de la communication de votre ministre de tutelle. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le tweet du président de la République est venu quelque peu corriger? Est venu corriger. D'une part, c'est une claque. Une claque destinée à sa ministre. OK. Et d'autre part, une correction dans l'autre sens du terme. Correction, si vous voulez. Et d'autre part, c'est pour apaiser. Puisque, bizarrement, ce communiqué, il apparaît au lendemain de l'incident du 30. Alors, le président de la République a compris que les enseignants sont fâchés. Et il a compris. Il est très subtil, ce monsieur. Il a compris ce qui a contribué à révolter les enseignants dans le cadre du décès et des obsèques de Njomi Tshakounté. Il a su parler. Maintenant, que les uns et les autres prennent note et qu'ils se ressaisissent. Alors, est-ce qu'on peut comprendre là, selon vos dires, selon la claque du président, que le MINISEC est quelque peu en disgrâce et pourrait perdre son poste? Non, nous ne sommes pas là. Non, et je voudrais le dire ici, nous ne sommes pas là pour exiger que le poste de madame soit perdu, ok? C'est une dame politique et tout ce que vous voulez, elle est ministre, c'est son poste. Nous voulons que les gens qui sont choisis par le président de la République pour servir les Camerounais en général, et les enseignants en particulier, ceux du MINESEC, que ces personnalités-là fassent corps avec la famille enseignante. Les enseignants, moi, je ne fais que porter la voix. Hein. Je ne fais que porter la voix. Les enseignants trouvent notre ministre, éloignée, lointaine et tout. Distante. Distante, c'est le terme que je cherchais. Je suis professeur d'anglais, excusez-moi. Il la trouve distante. Il la trouve un peu hautaine. Hein. Oui. Ça peut être juste sa façon d'être. Sa façon d'être, d'accord. Et il la trouve... piètre communicatrice. C'est un peu dur. C'est dur. Par exemple, l'affaire Njomi Tshakounté. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est par rapport aux éléments qu'elle a reçus? Elle a reçu des informations à gauche et à droite et c'est par rapport à ces éléments-là qu'elle... Recevoir des informations à chaud, c'est une chose. Recouper l'information, vous êtes journaliste. En est une autre. Je ne sais pas, je suis dans votre jargon, c'est bien cela. Tous ces gens-là, ils font cela. Pourquoi le dis-je? Le communiqué de Madame la ministre insinuait que Njomi Tshakounté n'aurait pas dû se trouver là. Qu'il était plutôt supposé être en poste de l'autre côté. Ce qui insinuait également que notre collègue n'était pas en poste. Or, le jour des obsèques à Bazou, le proviseur du lycée Panké Jinoun a confirmé, il y a des vidéos là-dessus, que notre collègue était en poste. Et quels étaient les éléments qui confirmaient sa thèse? La thèse du proviseur. Oui. Le proviseur a dit
que notre collègue a pris service. Prendre service n'est pas se pointer et prendre la craie. D'accord. Il y a toute une procédure qui va avec. Vous signez des documents que vous avez pris service. Pour les présences effectives, qu'on peut délivrer tous les trimestres ou alors à la demande de l'enseignant, selon les besoins, on peut délivrer la présence effective. Le proviseur a dit qu'il a été en contact avec des élèves dans la classe, des élèves qui ont dit, vraiment, le prof a dit qu'il ne peut pas être là aujourd'hui, nous a envoyé les travaux dirigés, que nous sommes entrés. Et le proviseur a dit qu'ils étaient tellement silencieux et concentrés. Bref, notre collègue faisait la navette, pour faire simple. Il faisait la navette entre Yaoundé et l'Ouest. Voyez-vous? Et pourquoi faisait-il cette navette? C'est ça qui justement, énerve. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est parce que notre collègue cherchait à survivre. Il cherchait à survivre. Il est sorti de l'école en août 2019. Nous sommes en janvier 2020. Il n'est pas pris en solde. Vous voyez? Comment fait-il pour survivre entre-temps? Il n'a même pas reçu ses frais de relève. C'est quoi les frais de relève pour la maman du quartier? C'est l'argent de transport que l'État donne aux fonctionnaires pour aller prendre service quelque part. Il n'avait même pas ses frais de relève. Mais ce garçon est allé prendre service malgré cela. Il n'avait pas de salaire. Il n'avait même pas de matricule. Un matricule qui est sorti de nulle part 2 ou 3 jours après son décès. Abracadabra. Alors, notre collègue cherchait à survivre. Il s'est retrouvé au lycée classique de Nkol Bisson. Il y a une trace de lui là-bas. Donc, il appartenait également à cette maison-là. Voyez-vous? Maintenant, il est décédé. La craie à la main, tué par notre élève. Il y a une sorte d'attitude qu'il fallait adopter. Une sorte de communication. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de communication. Ce qui nous a beaucoup choqués, ce qui est revenu, c'est qu'il n'aurait pas, peut-être Dieu se retrouvait là-bas. Non, voilà ce qui nous a énervés, nous les enseignants. Vraiment sans caresser dans le sens du poil. C'est ça l'élément perturbateur à ce niveau-là. Alors, de façon brève, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, quand vous terminez l'école, comment est-ce que ça se passe? Écoutez, ça a vraiment été difficile pour nous. Lauréat des écoles normales supérieures. Si vous faites 15 ans, 20 ans en arrière, ça a été la même galère pour tout le monde. Avant 2012, ce qui était devenu comme normal était que, une fois sorti de l'école normale supérieure et les dossiers acheminés dans les ministères, les enseignants allaient dans leur lieu d'affectation, le poste d'affectation, et travaillaient. Ils passaient 2 ans, 3 ans, etc., 4 ans, 5 ans, 7 ans même, avant de percevoir le tout premier salaire. Si vous m'avez devant vous aujourd'hui, c'est parce que, déjà il faut préciser que, en 2012, le Premier ministre Philemon Yang, je crois que c'était lui, oui, avec ses équipes, ils se sont dit, bon, écoutez, pourquoi continuer à faire souffrir ces normaliens de cette façon? Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur pied ce qu'on appelle la prise en charge rapide? Parce que le dossier d'intégration, lui, il semble prendre plus de temps dans les traitements. Or, la prise en charge rapide, normalement, devrait être disponible au plus tard 2 mois après la sortie d'école. Alors, le Premier ministre a instauré le décret sur les 2/3, on appelle ça les 2/3, la prise en charge rapide pour un A2, c'est 128 600. Oui, en attendant l'intégration pour compléter votre salaire et pour qu'il monte à 220 000, etc., etc. Je suis sorti de l'école normale supérieure le 5 décembre 2014. Je faisais partie de la 53e promo. ENS Yaoundé. Madame, j'ai passé 23 mois sans salaire. Alors vous imaginez les dispositions qui avaient été prises en amont pour que ce salaire-là soit disponible au plus tard 2 mois après ma sortie. Moi, je passe 23 mois encore avant de percevoir ce premier salaire. C'est ça qui nous pousse à organiser un sitting au ministère de la fonction publique, puisque c'est lui qui recrute. En juin, c'était en mai, juin 2016.
Et c'est peut-être quelques 2 mois avant ce sitting-là qu'on nous annonce que nos matricules sont inexistants. C'est-à-dire, vous avez un matricule, on vous attribue un matricule, vous traînez sur le terrain, vous savez que vous avez un matricule, ok, le salaire ne sort pas. Quand vous rentrez, on vous dit non, le matricule que vous aviez là, il est inexistant, c'est-à-dire erroné, un truc quelque chose de ce genre, excusez. Nous étions plus de 800 dans cette situation-là, sans compter ceux qui étaient, ceux qui avaient le dossier dans le pipeline. C'était un fourre-tour, un labyrinthe, pas possible. Ça devenait explosif. C'est ça qui nous a poussé à faire un sitting. Le ministre Ngaleb Ibéhé, le pauvre, ça a été une sorte de baptême de feu pour lui, puisqu'à peine avait-il été nommé, c'est en cette période qu'il a trouvé ce fourre-tour-là. À l'époque, madame, c'est-à-dire après le décès du ministre Bapès et avant l'arrivée du ministre Ngalé, il y a eu une période là. Le ministre de la fonction publique était un marché Mokolo bis. Tout s'y achetait. Moi qui vous parle, il m'avait été demandé, lorsque mon matricule n'avait pas encore été déclaré inexistant, c'est-à-dire erroné, il m'avait été demandé d'acheter mon premier salaire. C'est-à-dire... C'est-à-dire que un A2 devant percevoir 128 000, vous allez dans votre ministère vous plaindre. Mais pourquoi je ne suis pas toujours payé et tout? On vous dit, va voir tel. C'est tel-là, vous demande, tu sais comment ça se passe ici. Bon, tu donnes 115 000 et ton salaire sort. Vous voyez? Ça veut dire que vous achetez votre premier salaire. Voilà autant de choses qui m'ont poussé vraiment à une sorte de révolte, parce que je ne comprenais pas que, étant sur le terrain, avec toutes les pressions de l'administration, la famille qui vous soupçonne d'avoir mangé votre argent seul, comme on dit au quartier, hein, parfois le village qui vous regarde d'un air bizarre, que, mais monsieur, on sait que tu étais quelque part et que tu es grand prof. Vous voyez, toutes les frustrations, les pressions dans les lieux de service et tout cela vous monte à la tête. La tête gonfle et ça devient explosif. Donc, ce que j'ai subi est à peu près ce qu'ont subi, et peut-être pire que cela, des collègues. Donc, nous faisons ce sitting-là et les matricules sortent de nulle part, comme d'habitude. Nous leur disons, nous ne sommes plus au niveau des matricules. Nous voulons nos salaires et les arriérés y afférents. Mais comme c'était vraiment, tout était sens dessus, dessous, il fallait qu'ils s'organisent et tout, nous n'avions plus le temps pour cela. Les salaires sont sortis 3 jours, 3 mois après, ou 2 mois après. Maintenant, nous sommes à l'attente des paiements de ces rappels-là qui ne venaient pas toujours. Et c'est cela qui nous a poussé à la grande grève des 27 au 29 mars 2017, qui nous ont conduit à la table des discussions. Du côté du premier ministère, il y avait les ministères impliqués dans la gestion des carrières des enseignants, d'un côté, et les services du premier ministre, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Il était question d'ouvrir le boulevard, d'abord en ce qui concerne le plan financier, l'apurement de la dette et ces salaires qu'il fallait libérer sur le plan financier, et maintenant sur le plan structurel, il était question d'élaborer un nouveau manuel des procédures. C'est ça qui devrait vous intéresser maintenant. Un nouveau manuel des procédures qui viendra revoir les paramètres qui ont été mis en place pour la gestion des carrières des lauréats des écoles normales supérieures et INSET. Ce nouveau manuel de procédures, nous avons déjà travaillé dessus et il est en instance d'étude à la primature. Qu'est-ce qu'il vise? 1. Éliminer l'usager du processus de traitement de dossier. 2. Alléger les procédures administratives. C'est-à-dire, vous avez un gros dossier comme ça, avec la paperasse et tout. Non. Il faut alléger déjà la constitution du dossier. C'est ça les procédures. Et il faut réduire les acteurs qui entrent dans le processus de traitement de ces dossiers-là. 3. Bien entendu, réduire les délais d'attente. Si les procédures administratives sont allégées, les délais d'attente sont écourtés. Et finalement, vous avez globalement, hein, la lutte contre la corruption.
Parce que la corruption, ce qu'on appelle les réseaux, la mafia, comment ça se passe? Ces gens-là, ceux de la mafia, dans nos ministères, bien entendu, pas tout le monde, ceux de la mafia, que font-ils? Ils créent des lenteurs. Voilà comment la mafia procède. On crée des lenteurs dans le processus de traitement des dossiers. Une fois les lenteurs créées, vous avez des blocs, vous avez le cumul des dossiers. Passé à l'état de cumul, vous avez des blocages. Et c'est lorsqu'il y a blocage qu'ils créent des petites portes à gauche et à droite. Et c'est par ces petites portes-là qu'on vous demande d'entrer pour payer, pour monnayer, etc. Or, si le dispositif dont je viens de vous parler est mis en place, il y aura une sorte de fluidité si l'usager ne doit plus intervenir dans le process. Il y aura une sorte de fluidité. Nous autres, normaliens, pour parler de nous, lorsque vous allez au ministère de la fonction publique, dans leur jargon, je ne sais pas moi, dans leur, je ne sais pas comment ils appellent ces choses-là, nous avons le statut, tenez-vous tranquille, nous avons le statut d'élève énorme. Ah oui, c'est-à-dire lorsque votre dossier normalien est en traitement au ministère de la fonction publique, vous avez votre nom là, Bessala, machin, tout ceci, et vous avez, ça doit être une catégorie, hein, élève énorme. Ça vous fait bizarre. Ces énamiens-là, je n'ai rien contre eux. Il suffit que leur nom soit sur la liste définitive. Ils ont un matricule et ils sont pris en solde. Or, nous, co-élèves énam, nous entrons dans nos écoles normales supérieures, nous ne sommes pas immatriculés, nous n'avons pas une prise en solde. Okay? Nous passons 2 ans pour ceux de la licence, 3 ans pour ceux baccalauréat premier cycle, 5 ans pour ceux baccalauréat premier cycle plus passage au second cycle. Et lorsque nous sortons de là, il faut encore que nous passions 10 mois, 40 mois, il y avait des 60 mois sans salaire, madame. Vous voyez la frustration. Voilà les frustrations qui habitent, qui hantent, qui harcèlent les lauréats des écoles normales supérieures. Donc, nous nous sommes dit, il faut que quelque chose change. Maintenant, dans le cadre de nos travaux au Premier ministère... Avant d'arriver au Premier ministère, avec la nouvelle procédure, ça veut dire, quand je laissons passer l'étape d'immatriculation et de solde à l'école, hein, quand vous sortez, ça veut dire que c'est... Dès que vous sortez, vous êtes payé, ou alors il faut attendre encore 2 mois, ou comment il faut faire à ce moment, avec l'application de cette nouvelle procédure-là? La nouvelle procédure n'a pas encore été mise en application. Oui. Elle fera l'objet d'un décret. Ok. Je veux dire, si elle est appliquée, comment? Si elle est appliquée, c'est à l'immédiat. Oui. C'est-à-dire, les dispositions ont été prises de telle sorte que, pendant que les lauréats sont encore dans les écoles normales supérieures, c'est 2 mois avant la sortie, par là, ils constituent leur dossier d'intégration. Et là, c'est un dossier unique. On ne veut plus dossier de prise en charge d'une part, dossier d'intégration d'autre part. Parce que je vous ai parlé de l'allègement. Ouais. Donc, ils constituent ce dossier unique-là, qui est déposé. Les traitements sont lancés pendant qu'ils sont encore en train d'attendre la sortie. Et ces dossiers-là sont complétés par le diplôme de professeur une fois que ces professeurs-là sont sortis des écoles normales supérieures. Oui. Vous voyez? Ce qui fait que les services en charge devraient avoir 3 mois d'avance. Et une fois que ces lauréats-là sont sortis, ils devraient déjà passer à la caisse. Voilà ce qui est prévu dans le nouveau manuel des procédures. Alors, vous avez occulté la partie élève énorme. Occulté, nous disons tout simplement que nous avons occulté cette partie-là, parce que c'est un autre combat là-bas. C'est un autre combat là-bas. Mmh. Pourquoi nous appelle-t-on élève énorme? Pourtant, on nous traite... élève école normale. Bon, il fallait qu'ils mettent élève école normale. Au lieu d'utiliser ces artifices-là, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert de nous appeler élève énorme si nous sommes traités différemment? À quoi ça sert? Alors, on va revenir donc sur les recommandations. Vous avez été reçu par le secrétaire général des services du Premier ministre.
Alors, dites-nous, est-ce que vous étiez, je veux déjà savoir, hein, puisque oui. vous avez été, vous dites que vous n'êtes pas traître, comme certains le pensent. Très bien. Ce jour-là, avez-vous été reçu seul? Est-ce que c'était avec d'autres mouvements? Comment est-ce que ça s'est passé? Je n'ai pas été reçu seul dans le sens de l'individu seul, Bessala. D'accord. J'ai été reçu avec le bureau du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Du Cameroun, oui. Vous comprenez? Alors, bien entendu, j'ai constaté l'absence de ceux qui se font appeler aînés syndicalistes. C'est bien beau. Vous avez toute cette panoplie-là. Je reviendrai là-dessus. Maintenant, au sortir des discussions avec le ministre SGPM, il y a un communiqué que j'ai mis en ligne parlant justement d'une concertation qui devra être convoquée par le ministre SGPM dans les jours à suivre. Et cette concertation va réunir qui? Un, les membres du gouvernement, d'une part, ou du moins ceux impliqués dans les dossiers des enseignants en général, et d'autre part, les mouvements syndicaux du sous-système éducatif. Vous comprenez un peu? Cela est très clairement dit dans le communiqué. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, lors de l'échange avec le SGPM, nous sommes, comment dire, nous sommes dit qu'il n'est que normal que tout le monde soit associé à ces débats-là. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui me font passer, bon, passons. Mais si pourquoi vous avez été convoqué seul? Pourquoi les Très autres bien. N'étaient pas là? Très bien. Madame, je vous ai dit que j'ai passé 23 mois sans salaire. Oui. Il y a des 60 mois et tout, il y a des gens qui ont eu 60, si vous voulez, les 7 ans sans salaire. Lorsque je sortais, déjà lorsque j'étais en formation à l'école normale supérieure, je ne savais rien, rien du tout, de l'action syndicale. Je n'avais aucune notion de l'action syndicale, ou du moins de ce qu'on appelle syndicat. Sorti de l'école normale supérieure, j'ai été largué dans mon lycée, parachuté dans mon lycée comme n'importe quel autre normalien. Je ne savais pas que les syndicats existaient. Je vous le dis très sincèrement. Lorsque je souffrais sur le terrain, comme des milliers, et je vais vous dire, parlant de l'apurement de la dette, parce que nous avons commencé en 2017 et nous finissons en avril 2020, vous avez, entre les promos de 2012, promotion 2012-2018, vous avez 39 000 enseignants. Ce qui veut dire que vous avez 39 000 jeunes enseignants, les jeunes lauréats récents, là, entre 2012 et 2018. Ces lauréats-là ne savaient même pas que les syndicats existaient. C'est lorsque nous faisons la manif du 27 au 29 mars 2017, je veux dire au lendemain de la manif, lorsqu'il faut aller au Premier ministère pour les pourparler, que boum, nous apprenons l'existence des syndicats. Et tenez-vous tranquille, madame. Il m'avait été dit que ces syndicats-là voulaient prendre les devants. Côté primature. Mais question. Où étiez-vous avant? Vous étiez où? J'ai été approché par certains parmi eux. Je leur ai posé la question. Oui, vous voulez nous prendre sous votre aile et tout ça. Vous étiez où? Où étiez-vous lorsque nous souffrions? C'est pour vous dire, madame, que si le collectif des enseignants indignés du Cameroun est assis ici aujourd'hui, c'est parce que vous en avez entendu parler. C'est parce que nous sommes les seuls sur le terrain. Nous sommes les seuls à nous battre, je dis bien sur le terrain, au quotidien, dans le sens de l'amélioration. C'est vrai que notre action était restreinte, plus ou moins, au sens de l'amélioration des conditions des nouveaux lauréats des écoles normales supérieures. Ça, c'était au départ. Mais cette action s'est élargie. Voyez-vous? Alors, ne me posez pas la question à moi. Posez la question au gouvernement.
qui n'a pas convoqué cela? C'est parce que, forcément, ces membres du gouvernement se disent que ces gens ne sont pas sérieux. Ou alors que vous êtes un des leurs. On peut penser l'un... Non, madame. Le collectif des anciens indiens du Cameroun est né dans des conditions que tout le monde connaît. Et j'en ai parlé ici. Et c'est avec des collègues de Marois. Vous n'allez voir aucun ancien, je mets entre guillemets, dans le bureau exécutif national du collectif des anciens indiens du Cameroun. Aucun. Alors, moi, j'aimerais quand même comprendre. Quand vous sortez de l'école, vous souffrez et tout, vous découvrez quand même à un moment qu'il y a un syndicat, qu'il y a des syndicats, je veux dire, des enseignants. À quel moment, madame? Je ne sais pas, vous allez nous dire. Est-ce que, je veux savoir en fait, est-ce que vous avez à un moment donné essayé de vous rapprocher des syndicats? Vous n'allez pas me dire que quand vous créez l'association des enseignants indignés, jusqu'à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il y a des syndicats qui existent. Je vous l'ai dit de façon vraiment très naturelle et naïve. Oui. Je n'étais pas au courant de l'existence des syndicats, parce qu'un syndicat, ça se fait ressentir par ses actions. Néanmoins, il y a des collègues qui nous rapportaient qu'ils avaient approché, eux, certains syndicats, pour leurs problèmes de prise en charge et tout ce que vous voulez. Vous savez ce qui leur avait été demandé? Non. De payer d'abord leur adhésion au syndicat. C'est pas plus mauvais que ça aussi, hein? Cet argent-là nous provient d'où? Quand vous êtes ECI, ça, on nous appelle en cours d'intégration, vous êtes sur le terrain sans salaire et tout, hein? Est-ce que vous savez que parfois, pour un jeune lauréat là, sorti de l'école normale supérieure, il lui manque de l'argent de transport? Alors, je ne connais pas, je ne sais pas à quel taux sont fixées ces adhésions-là, mais vous voulez qu'il aille prendre cet argent-là où? Bon, ils leur ont demandé de payer les frais d'adhésion. Oui. Ça revient donc, je reviens donc à ma question. Ça veut dire que, à un moment donné, vous avez su qu'il y avait des syndicats. Vous n'êtes pas allé vers eux parce que vous ne vouliez pas payer les frais d'adhésion ou vous n'étiez déjà plus d'accord avec leur façon de faire. Je vous parle à titre personnel, madame. Oui. Le moment donné dont vous parlez, c'est le lendemain de notre grève du 27 au 29 mars 2017. D'accord. C'est en ce moment que ces aînés-là jaillissent de nulle part. Vous dites, oh non, écoutez les petits, vraiment on va vous encadrer là-bas devant hein, et tout. C'est ça. Vous étiez où avant? Et posez, faites les réseaux sociaux, hein. Le communiqué, je n'ai rien contre eux. Je voudrais bien qu'on se batte pour la cause commune. Mais vous comprenez que ce sont les approches et les attitudes qui divergent. Vous voyez? Mais nous sommes à fond dans la bataille pour les intérêts des enseignants. Alors, le communiqué qu'ils nous ont servi hier, allez dans les groupes d'enseignants, allez qu'on vous fasse des captures d'écran. Allez demander. Ils sont vomis par les collègues. Nous parlions de la mobilisation au CHU. Qui a mobilisé véritablement? C'est le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Je publie un communiqué le matin, ils publient le communiqué au soir. Toujours la récup. J'ai mobilisé pendant 2 semaines. J'ai fait les plateaux télé, tout ce que vous voulez. Lorsqu'on s'est retrouvé au CHU, quel est le nom qui était devant? C'est le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Mais aujourd'hui, le lendemain, j'ai entendu parler des posts, des publications venant de ce côté-là, faisant état de ce que moi, Bessala, je suis à la solde du gouvernement, comme pour me discréditer aux yeux de l'opinion d'abord et de la famille enseignante en particulier, et faire de la récup. La récupération, c'est tout ce qu'ils font, c'est la récupération. Je ne suis pas contre la récupération, qu'ils en fassent bon usage. Mais le collectif des enseignants indiens du Cameroun reste la seule force mobilisatrice. Ce que vous avez vu à Yaoundé là, c'est le collectif des enseignants indiens du Cameroun. Les collègues les ont vomis. Qu'ils soient jeunes, comme aînés, comme anciens. Je reçois des appels depuis qu'ils ont publié leur communiqué là. Je reçois des appels de partout.
Je reçois des appels, que mais qu'est-ce que ces gens sont allés faire comme ça? Et pourquoi? Nous comprenons pourquoi vous n'avez pas signé cette histoire. Et tout. Voilà les appels qui reviennent. Donc, quand... Moi, je veux comprendre, hein, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous vous battez encore pour la... Puisque entre vous, déjà, défenseurs des droits des enseignants, vous ne vous accordez pas. Est-ce que ce ne serait pas bien, déjà, de vous rassembler, de fédérer vos forces, puisque vous menez le même combat? Parce qu'aujourd'hui, je signe, je ne signe pas, telle est traite, telle n'est pas traite. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour... Je crois en vous. Pour commencer, je n'ai pas dit qu'ils sont traîtres. Non. Ce sont eux qui disent. Oui, oui, ce sont eux qui disent. Autre... Ce sont eux qui disent que je suis traître, que je suis à la solde du gouvernement. Moi, je dis qu'ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Attention, vous insultez les aînés. Non. Dire de quelqu'un qu'il est. C'est quoi la paresse? C'est le fait de ne pas aimer le travail. Celui qui n'aime pas le travail est paresseux. Et je me justifie. C'est pas une insulte, madame. Paresseux n'est pas une insulte. Je suis quand même littéraire, là, et tout. Paresseux n'est pas une insulte. C'est pas un adjectif... Il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Pourquoi avez-vous un souci avec le franc-parler de Bessala? Je vous dis ce qui est. Pourquoi dis-je paresseux? Ce que disent les enseignants est... Ils sont au soir de leur carrière. Syndicalistes, disent-ils... Pendant 20 ans, 25 ans et tout. Qui les a vus sur le terrain? Ce qui veut dire qu'ils ne se déployaient pas sur le terrain. Ils ne se faisaient pas sentir sur le terrain. Ils étaient, moi je les appelle des revenants. Puisqu'ils sont renés. Ils sont renés après, écoutez-moi bien, après après l'événement du CHU. Après le 30 janvier. Après le 30 janvier. C'est le 30 janvier au soir. Qu'ils renaissent. Et le lendemain, ils font tout le tapage là et tout. Ils m'ont dit qu'ils ont, à la va-vite comme ça, créé des groupes sur Facebook et tout. Voilà. Et les enseignants sont au courant de ça. Ils sont paresseux. Maintenant, vous parlez de la fédération. Je voudrais bien, madame. Je voudrais bien. Maintenant, je ne suis pas celui-là qui fonce tête baissée et les yeux fermés vers X. X, en mathématiques, c'est l'inconnu. Moi, je les appelle un point d'interrogation géant, ces gens-là. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas en termes de fait d'armes. Qu'ont-ils fait? Qu'ils posent ça sur la table, devant l'opinion, je veux dire la famille enseignante, on va s'entendre. Je voudrais bien qu'on fédère nos forces. Je voudrais bien. Mais qu'est-ce qui ne me dit pas que toute cette campagne contre... Le collectif des anciens indiens du Cameroun vise tout simplement son écrasement. C'est de ça qu'il est question. Nous refusons de nous faire phagocyter. Ça, c'est d'un. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si quelqu'un veut travailler avec nous, je ne suis pas prétentieux, madame, mais au vu de ce que nous avons quand même pu faire jusqu'à ce jour, ces gens-là doivent nous suivre. Ce n'est pas parce qu'on est aîné qu'on ne peut pas suivre un cadet qui a pu mieux faire. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Alors, il m'a été donné, j'ai constaté, hein, qu'il y a également, vous êtes le président du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Oui. Il existe également le nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun. La différence est claire. Ça vient d'où? Techniquement, techniquement, celui que vous appelez le nouveau, oui. Techniquement, il n'existe plus. D'accord. Vous l'avez phagocyté, vous? Pardon? Vous l'avez phagocyté? Oh non, madame. Ah, je vais vous expliquer. D'accord. Je vais vous expliquer. Il se passe que, je crois que c'est en 2018, récemment, là, ça devait être en mars aussi, hein, nous avons appris l'existence d'un groupe qui s'est fait appeler le nom que vous avez utilisé là. Vous et ne lorsque vous... Pas le non, moi, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Très bien. Je vous dirai pourquoi. Oui. Ce qui nous a fâchés au sujet de ces collègues-là. Et je sais, je vois la main cachée. Je vois la main cachée de ceux qui se disent aînés syndicalistes derrière cette histoire. Je vois la main cachée, la main sombre, des réseaux que nous avons combattus par le passé dans cette histoire. Alors, ces collègues ont fait le tour des réseaux sociaux et de certains médias pour dire, un, qu'ils ont travaillé au sein
du collectif des anciens Indiens du Cameroun, ils ont travaillé avec Bessala, et que à cause de certaines disputes, ils ont dû se retirer pour aller créer leur histoire. Premier mensonge. Maintenant, vous savez, certains Camerounais aiment le sensationnel. Hein. Aller sur les réseaux sociaux, là, c'est ce qui fait sensationnel qu'on achète directement. Ils ont fait une campagne de dénigrement à mon sujet et au sujet de mon équipe, qui est restée la même. Il faut le préciser. Depuis 2017, du moins depuis la création, si vous voulez, je n'ai travaillé avec personne d'autre que l'équipe qui prit place, qui prit fonction ce jour-là jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a jamais eu division au sein de mon équipe. C'est la première chose qu'il faut établir. Alors, campagne de dénigrement. Bessala a reçu 23 millions. Bessala et chacun des membres de son équipe, c'est-à-dire chacun des 10, a reçu 23 millions plus un véhicule des mains du gouvernement pour tuer la cause des enseignants. Troisième chose, Bessala fait le tour des... Excusez-moi, madame, c'est ce que disaient des enseignants. Bessala fait le tour des hôtels avec des ministres hommes. Il a trempé les mains, entre guillemets, vous savez de quoi je parle, et il est dans des trucs bizarres. Ce sont ces gens-là qui publiaient ces choses dans leur fora qu'ils étaient allés créer. Vous voyez que en utilisant la lettre, la première lettre, de leur vocable là, ils ont créé une sorte de confusion. Avec les discours qu'ils ont utilisés, c'est une sorte de confusion. Ah, ils étaient ensemble, après ils se sont divisés, machin. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Si vous me demandez leur nom, je n'en connais pas. C'est vrai que j'en ai lu. Aujourd'hui, j'ai oublié leur nom. Je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ont fait cette campagne de dénigrement là et tout. Et lorsque... je me suis rendu à l'évidence. Et autre chose qui m'a beaucoup dérangé, il disait que, justement, Bessala n'a rien fait. Je peux vous donner des statistiques, ce qui a été fait jusqu'ici. Bessala n'a rien fait. C'est la raison pour laquelle j'avais convoqué un point de presse à l'époque pour éclairer l'opinion, tout au moins, sur ce qui a déjà été fait avec les membres du gouvernement. J'ai brossé ça en passant, il y a quelques instants. Ce qui a été fait, ce qui est en cours d'être fait, et ce qui sera fait. C'était un bilan. Et puis, point final. Voilà ce qui s'est passé. Donc, fermons la parenthèse du nouveau collectif. Et pour chuter, certains se sont identifiés comme ayant appartenu à ce mouvement. Ils sont venus me féliciter au CHU. Hein. Jack, félicitations pour la mobilisation. Et ils m'ont dit, vraiment, finalement, il faut que nous fassions corps et tout. J'ai dit, ben, comment ils sont normaux, ces gens, les gens qui t'ont déchiré hier. Revenons sur les recommandations faites, que vous avez faites avec le SGPM. Le SGPM, très bien. Alors... Quelles sont les annonces phares déjà qu'il faut retenir? Parce que s'il faut tout détailler, peut-être qu'on jusqu'à demain, on n'aura pas terminé. Non. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce que vous pouvez ressortir de cette entrevue-là? Très bien. Un, nous avons dit que voici ce qu'exige la masse. Priorité, urgence, la sécurisation des établissements scolaires. Et nous avons posé sur la table le dossier technique dont je vous ai parlé. Mobilisation de ceci, cela. Vraiment, vous avez les intervenants de la chaîne, vous avez les établissements scolaires, les ministères hein, de tutelle, l'éducation, si vous voulez. Vous avez les forces de maintien de l'ordre, vous avez des spécialistes du ministère de la Santé publique, parce que lorsqu'il faut parler de la lutte contre la consommation de la drogue, alcool et tout ce que vous voulez, vous avez des spécialistes du ministère des Affaires sociales pour le suivi des cas à problème. Voyez-vous, nous avons parlé de la nécessité de mettre en place, quand vous avez regroupé ces intervenants-là, mettre en place une sorte d'interconnexion avec partage de renseignements entre ces acteurs-là qui permettront de mieux suivre les enfants. Ça, c'est côté vraiment disciplinaire, comment faire pour encadrer et autres. Maintenant, un établissement scolaire doit ressembler à quoi?
Je le dis comme ça en passant. Un établissement scolaire, il est clôturé. La clôture, comment elle doit ressembler à quoi? Quelle est la hauteur de la, culture, de la clôture? Au moins 4 mètres. Fil barbelé. Hein, comment électrifié, si vous voulez, système d'alarme, caméra de vidéosurveillance, vous voyez, les portiques de sécurité, voilà des choses dont nous avons parlé avec le ministre SGPM. Ça ressemble à une prison, monsieur. Ce n'est pas une prison, madame. Ce n'est pas une prison. Allez dans. Nous aimons regarder la télé, hein. On dit chez les blancs. C'est comme ça chez eux. C'est bien sécurisé. Si quelqu'un veut escalader, il suffit que la personne touche le barbelé qui va l'électrocuter parce qu'il y a un fil de courant qui va là-bas, qui va déclencher l'alarme et tout. C'est pour prévenir tout cela. OK? Les forces de sécurité, les forces de maintien de l'ordre, c'est à l'extérieur. Parce qu'avec les sociétés de gardiennage, il faut filtrer les entrées. Surtout les entrées dans les établissements scolaires. Les censeurs surveillants généraux ne sont pas spécialistes en matière de fouilles, en matière de détection, de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, il faut sécuriser l'école. Si nous avons des morts aujourd'hui, c'est parce que l'école est en danger. Arrimons-nous à cette donne-là. Je ne vais pas faire la publicité, hein. Il y a un établissement là en face, je veux dire derrière la communauté urbaine à Yaoundé. C'est fustel quelque chose, hein. Lorsque vous regardez cet établissement-là, lorsque vous regardez les écoles américaines à Yaoundé, ou je ne sais pas moi s'il y en a à Douala, oui, vous voyez de quoi je parle. Voilà pour la sécurisation de l'école. Maintenant, nous avons demandé également, c'est entre autres, hein, je ne vais pas rentrer trop en profondeur, oui, l'application du statut particulier de l'enseignant. Décret, c'est un décret présidentiel de 2000. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse les enseignants justement, c'est... cette disposition, le titre 6, le chapitre 1 du titre 6 qui parle des droits. Les droits, je vais parler au sujet des éléments complémentaires dans la rémunération des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale. Il s'agit de quoi? Pour le corps de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, enseignement général et de l'enseignement technique et professionnel, il s'agit des primes qui sont dues aux enseignants dans ce cadre-là. Primes de technicité, prime de documentation et recherche, prime d'enseignement et d'évaluation. Pour le corps des conseillers d'orientation, il s'agit de la prime de technicité, il s'agit de la prime de documentation et recherche et la prime d'encadrement psychopédagogique et d'évaluation qui, il faut le dire en passant, n'a jamais, cette dernière prime-là, n'a jamais été versée aux conseillers d'orientation. Et que dit l'alinéa 2, parce que tout ce dont je viens de parler, ça se trouve au niveau de l'alinéa 1. Alinéa 2 dit les montants des primes ci-dessus énumérées et les modalités de leur attribution sont fixées par un texte particulier. C'est ce texte-là qui est attendu. Vous voyez, ces primes-là, on nous les accorde, mais de façon, je dirais, forfaitaire. Sauf les conseillers d'orientation au niveau de la prime d'encadrement psychopédagogique. Raison pour laquelle le ministre SGPM a dit que, dès que la concertation est convoquée, nous allons débattre de la budgétisation de tout cela. Il va falloir budgétiser. Vous voulez quel montant, vous voulez... Bon, est-ce que vous ne trouvez pas que... C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsque vous parlez du statut particulier de l'enseignant, entre autres, hein, c'est le point-là qui est très important pour la masse qui nous écoute. Maintenant, nous avons parlé du nouveau manuel des procédures que j'ai évoqué précédemment. Oui, je vous ai dit qu'il est en instance d'étude au niveau des services du Premier ministre. Alors, il s'agit de faire le point pour tous les mouvements syndicaux. Il s'agit de faire le point sur le nouveau manuel de procédure qui vient sanctionner le processus des traitements, des dossiers, des lauréats, des écoles. Après cela, c'est le dernier point, le fameux Forum national de l'éducation. D'accord. Si le temps nous permet, on va arriver à ce forum-là. Je m'arrête sur la sécurisation. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant de s'arrêter aux fouilles, électrifier, machin? Est-ce qu'il ne faut pas... Parce qu'un enfant peut arriver à l'école, le sac vide, ouais, la patte couteau, comme on a vu. Ouais. Mais il arrive à faire du mal à son camarade. Très bien. Avec un stylo, on a la couture où on utilise les ciseaux. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas davantage travailler les mentalités que se mettre dans les fils barbelés? Très bien. Déjà, je vais vous dire que l'école ne fait que subir ce qui lui vient de l'extérieur.
Par là, je veux dire que une tête bien faite à la maison profite à tout le monde. Et surtout à l'école. Mais une tête mal faite à la maison est un danger public. C'est là qu'interviennent les parents. Mais ils sont un acteur très déterminant dans, je veux dire, la chaîne de sécurisation des établissements dont j'ai parlé ici. Peut-être que je n'ai pas évoqué l'aspect de parents. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place de telle sorte que les parents soient véritablement impliqués dans le suivi de leurs enfants. Ce suivi-là peut commencer à la maison de façon somatique. Est-ce que l'enfant a mangé? Cela ne concerne pas l'école. Lorsque moi, professeur d'anglais, when I come in the morning, I will never ask my students, did you eat this morning or stuff like that. J'ai des objectifs à atteindre. Le chrono, il est lancé. Alors, parents d'élèves, faites votre boulot à la maison. Nourrissez vos enfants, soignez-les bien. Pour ceux qui ont des maladies compliquées, vous allez les déclarer. Mais suivez votre enfant. Vous avez le contact de l'établissement. Comment ça se passe à l'établissement? Il faut bien communiquer. Donc, dans notre matrice, nous avons impliqué les parents. D'accord. Aujourd'hui, les élèves s'inscrivent en ligne. Vous avez entendu parler des inscriptions en ligne au MINESEC, ce qui veut dire qu'il y a une base de données. À cette base de données, on peut associer une photo, des contacts de parents, tout ce que vous voulez, qui correspond à un profil d'un élève. Alors, des mécanismes peuvent être mis en place pour contraindre les parents à prendre part au processus de suivi des enfants. Pour les enfants délicats, par exemple, l'école n'est pas toujours la destination pour tout le monde. S'il est établi qu'un enfant est délicat, comme celui qui a tué notre collègue, vous savez que c'était un multirécidiviste. On vous a dit qu'il a poignardé à gauche, il a poignardé à droite, voyez-vous. Alors, celui-là est déjà un cas social. Ce n'est pas l'école classique qui devrait l'accueillir immédiatement. Il y a des centres, il y a des structures spécialisées en la matière. C'est-à-dire, on cherche à le réinsérer progressivement là-bas, tout en l'instruisant, l'éduquant, ok, avant de le réinjecter dans l'école classique que vous et moi, vous connaissez. Vous voyez un peu. Donc, le rôle des parents est très déterminant. Je vais vous dire quelque chose. Ma proviseure avait convoqué les parents d'élèves d'une terminale. Quelques jours avant le décès de Njomi Tchakounté. Hein? Quelques jours avant. Donc, ces élèves-là avaient mal travaillé au premier trimestre. Ma proviseure a convoqué ces parents d'élèves. Ces parents d'élèves, ils étaient supposés arriver le lundi, parce que Njomi Tchakounté décède peut-être un mardi, voilà. Ils étaient supposés venir au lycée le lundi, mais nombreux ont choisi de venir vendredi. Lorsqu'ils viennent vendredi, ils s'impatientent et tout. Hein, vraiment, on nous fait perdre notre temps ici, hein, et tout. On a dit, mais madame, vous êtes ici pour le suivi de votre enfant. Elle dit, mais l'école ne peut pas s'occuper de ça. Hein? Nous, on a des choses à faire. Si l'enfant a mal travaillé, n'est-ce pas, il y a les censés ici, il y a les professeurs, machin, ici, ils ont fait leur travail. Hein? Je comprends. Il y a une qui est allée jusqu'à dire qu'elle comprend pourquoi les élèves nous piquent ici dehors parce qu'on se prend la tête et tout. Voilà les parents que nous avons là dehors. Peut-être pas tous, peut-être pas vous, mais ils sont nombreux qui sont irresponsables en matière du suivi, en matière de marquage à la culotte, parlant du suivi de leurs enfants. Donc l'école ne fait que subir ce qui vient de l'extérieur. Alors, dans la sécurisation de l'établissement scolaire, les parents sont impliqués. Il y a un certain nombre d'engagements qu'ils doivent prendre, qui permettront qu'ils soient véritablement actifs dans le processus de discipline de leurs enfants et de sécurisation des établissements scolaires. Vous avez parlé des parents, des enfants, vous n'avez pas parlé des enseignants. On a l'impression que vous êtes tout blanc. Pourtant, il y a quelques jours encore ici, on a vu un enseignant qui a violé pratiquement 18 petites filles. Dans une école primaire? Dans une école. 18 petites filles. On a un enseignant ici qui a dit à la radio avoir cédé aux avances de ses élèves. Oui.
Est-ce que finalement, vous aussi, vous n'êtes pas le problème? Eh bien, je n'ai pas dit que nous sommes, à 100% hanches. Il peut exister parmi nous quelques brebis galeuses, vous comprenez? Et lorsqu'on entre en profondeur, déjà vous avez parlé de cette école primaire-là, je n'accuse pas. À Bonabéry, oui. À Bonabéry, c'était une école publique, je veux dire, privée. Vous, tout à l'heure, vous avez parlé, d'enseignants, celui qui tient la craie. Oui, j'arrive, mais ouais. Au niveau des hommages académiques, c'est un collègue. Maintenant, au niveau des formations, de la formation, ok? Vous pensez que celui qui viole des petites filles a un problème de formation? J'arrive, madame. Oui. J'arrive. Okay. Mais tout porte à croire que le cas des viols en série, là, déjà, ce n'était pas un enseignant formé. Ce n'est pas pour nous discréditer, en tout cas. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour nous discréditer. Je dis que nous avons notre part de responsabilité dans le phénomène des violences, parce que là, nous sommes... Nous parlons violence. Oui, parce que les parents peuvent aussi scolaire, créer leur collectif de parents indignés. Oui, ils peuvent créer leur collectif de parents indignés, ce qui serait même très bien. Ce serait très bien pour que nous puissions véritablement débattre. Je ne défends pas ces collègues qui ont violé, surtout celui qui a violé, il est à condamner. Il y a des textes là-dessus, c'est clair. Il y a des textes là-dessus, nous sommes formés là-dessus, il y a une législation très claire, et elle est même plus dure encore avec les enseignants, lorsque vous posez un acte de ce genre-là, parce que vous êtes une autorité morale, vous oui. comprenez un peu. Donc, je ne suis pas en train de les défendre. Ce que je suis en train de dire est que, et c'est là où je voulais un peu m'écarter des horreurs de viol, oui. et des horreurs du sexe ou du viol. Il y a par exemple le débat sur la chicotte à l'école. Oui. Nous pouvons en parler avec des parents. Il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Il y a tous ces débats-là qui font que, certes, l'enseignant ne peut pas être dédouané, mais que nous puissions réguler ensemble, qu'on puisse se responsabiliser ensemble. Mais je suis clair là-dessus, nous condamnons ce qu'il y a déjà comme violence venant de la part de nos collègues qui sont ultra minoritaires en la matière. Vous voyez, malgré qu'ils soient minoritaires, bon, ça fait plus ou moins phénomène tache d'huile, parce qu'on se dit, oh, les enseignants, dans leur majorité. C'est lui qui... Bien entendu, c'est la raison pour laquelle je dis que, même si c'était un demi-enseignant qui l'avait fait, il n'aurait pas dû le faire. Parce que lorsqu'il le fait, c'est le corps, c'est la corporation qui est salie. Alors, le temps nous presse à la gorge. J'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur le Forum de l'éducation. Expliquez-nous, oui. qu'est-ce que c'est? Alors, le Forum national de l'éducation, tout simplement pour vous, à votre niveau, il répond à quoi? Déjà, il porte sur quoi? Il porte sur les enjeux et les objectifs de l'éducation. Il est question de répondre à 3 questions fondamentales, ou 4. Quels sont les savoirs qui sont essentiels pour l'apprenant camerounais, quand on parle des savoirs, c'est-à-dire ce que nous enseignons là, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour les apprenants camerounais? C'est la première question à laquelle il faut répondre. La deuxième, quel est le savoir-être qu'on doit attendre de l'apprenant camerounais? Parce que vous savez que ce savoir-être-là vise l'insertion sociale. Oui. Vous voyez? Troisième question, quels sont les savoir-faire? Vous voyez le lien entre les savoirs et les savoir-faire. Quels sont les savoir-faire qui sont adéquats avec le contexte socio-économique camerounais? On peut même parler des savoir-vivre, parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'actualité et tout, mais ces savoir-vivre-là ont un lien avec le savoir-être. Vous voyez, globalement, le Forum national de l'éducation répond à ces questions-là, entre autres. Hein. Donc, il est question ici de repenser l'école. Repenser l'école. Le produit qui sort de l'école, ok, avant même qu'ils ne sortent de là, ces élèves-là, qu'est-ce qu'on leur inculque comme enseignement? Et qu'est-ce qu'on attend d'eux en retour? Nous, le système éducatif et la société. Puisqu'ils sortent de l'école, pour s'insérer dans une société, pour se faire employer dans une société, pour vivre dans une société. Voyez-vous? Tout ceci, pourquoi? Parce que nous avons quand même la conviction tranquille que nous nous retrouvons dans une sorte de fourre-tout. Il faut
comment dire, raffiné. Il est question de raffiner la chose de l'école. C'est ça le Forum national de l'éducation. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que plus que jamais il s'impose au regard de, plus que jamais. De l'actualité et selon vous, quand devrait-il être... Plus que jamais il s'impose, mais nous reviendrons sur une autre, un autre scoop. Les aînés syndicalistes, nous ne savions pas qu'ils étaient déjà sur ce dossier. Donc, ils sont rendus... Ils travaillent quand même alors. Non, écoutez. Les enseignants disent, attendez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Quand je dis qu'ils sont déjà dans ce dossier, apparemment, ce sont eux qui, moi j'ai reçu des informations, pour être plus sérieux, du genre, ils se sont engagés dans ce dossier, mais ils n'ont pas communiqué. D'accord. Ils n'ont pas communiqué. Parce que s'engager ici ne devrait pas se limiter. Ils sont à l'étape de la collecte des données. C'est quoi la collecte des données? On vous envoie en mission et tout. Et ces données-là sont attendues au Premier ministère. Moi, il y a des indiscrétions qui me l'ont dit, au ministère de l'Enseignement supérieur notamment, que ces gens-là, pourquoi ne vous parlent, quand vous parlez du Forum national de l'éducation, là, pourquoi ne vous disent-ils pas que leurs données sont attendues par ceux qui les ont envoyées sur le terrain? Et les enseignants sont outrés par cela. Ils sont outrés par cela. Mais pourquoi n'ont-ils pas communiqué là-dessus? Je vais vous dire, moi j'étais au courant de certains travaux entre certains syndicats et du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, au niveau du collectif, on était au courant de ça. Mais nous ne sommes pas fouineurs. Si nous n'avons pas été convoqués quelque part, on n'y va pas. J'en ai entendu parler même du côté du ministère de la fonction publique, le ministre Joseph Lé qui fait du bon travail et tout, il faut le féliciter. Parfois, c'est pas ça à la télé, il se regroupe avec certains syndicats. Peut-être, ceux-là ne sont-ils pas au courant de nos activités, mais nous n'en faisons pas un problème. Mais ce que nous disons au niveau de ce forum, c'est notre souhait est que ces travaux puissent donc être relancés. Puisque la majorité des enseignants n'étaient même pas au courant que ces travaux avaient été lancés. Alors, ils sont à l'étape, dit-on, de la collecte des données. Ces données-là sont attendues, qu'ils aillent déposer les données et qu'on mette la croix sur le Forum national de l'éducation. C'est notre souhait. On ne voudrait même pas y être. On ne voudrait pas y être. Vous comprenez que nous ne sommes pas là pour... non, pas forcément. Moi, j'aimerais quand même comprendre, au sorti de ce Forum de l'éducation, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui doit ressortir de là? Des recommandations? Quoi? Non, on n'est plus au niveau des recommandations. Je veux dire, est-ce que ce un projet de loi peut-être? Bien sûr. Un projet de loi avec application immédiate, puisque le temps nous tient par la gauche, il presse. Nous ne sommes plus là pour les tiroirs, mais qu'on laisse respirer les tiroirs hein, et qu'on les débarrasse de tout ce qu'il y a comme texte. Mise en application, vite fait. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous pensez comment sa planification de ce forum de l'éducation là? Je ne comprends pas. Comment est-ce que ce sera, comment je vais dire ça, des assises? Vous allez vous regrouper en atelier? Bref, ils sont déjà, je vous ai dit. En train de collecter, donc ça s'arrête là? Non, lorsque vous finissez de collecter les données, ces données-là sont synthétisées. Ouais. Et la synthèse est portée à l'attention du président des séances. Et vous lancez dans les débats. Parce que le gouvernement, eux aussi, ils ont des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Alors vous mettez ensemble vos idées et vous adoptez des résolutions. Et il y a ce projet de loi, d'application, si vous voulez, qui est initié, signé par qui de droit, pour application immédiate. C'est aussi simple, ça. Voilà le schéma, pour faire simple. D'accord. Alors, Jacques Bessala, on me rappelle que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je voudrais vous dire merci encore, bon retour sur Yaoundé. Et merci pour tout ce que vous nous avez apporté comme complément d'information ou d'enquête aujourd'hui. Merci madame, merci à STV et je voudrais rassurer les collègues du collectif qui attendent, qui sont en état d'alerte. Je voudrais leur dire de se calmer. Ce qu'il y a eu hier ou avant-hier, du moins
cette petite provocation-là, on ne va pas y céder. Nous sommes confiants, nous attendons que le ministre SGPM, qui est l'instance suprême, en tout cas après le président de la République, parce qu'ils sont mandatés par la présidence de la République, qu'il convoque ces travaux, ce sera dans quelques jours, et nous irons débattre là-bas, et nous sortirons de là avec des choses qui doivent être mises en application. C'est de ça que nous parlons. Donc, et aux aînés syndicalistes, toutes mes salutations et mes encouragements, mais je leur dis que il n'est pas besoin de chercher à phagocyter le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Pas besoin. C'est à eux de se rapprocher. Et à notre ministre, nous lui faisons confiance qu'elle sache que les enseignants sont fâchés d'elle. C'est la vérité. Qu'elle puisse devenir la mère là. Lorsqu'elle avait été nommée à la tête du ministère, les collègues disaient « Oh, c'est une mère, elle sera maternelle et tout. » Aujourd'hui, c'est « Oh, vraiment, la femme là, la femme là, la femme là. » Je voudrais qu'elle se fasse appeler la mère là, la maman là, et non la femme là. C'est ça notre souhait. Alors, on peut être dur dans nos propos, c'est pour faire avancer les choses. Merci à vous. Et à vos élèves? À nos élèves. Et aux parents? Nos élèves qui ont été traumatisés et tout ça, et aux parents, nous disons que nous formons la même famille. Nous sommes un. Il est grand temps que nous prenions conscience du phénomène des violences en milieu scolaire. Les morts, c'est tous les jours qu'on prenne conscience de cela. Des débats peuvent être organisés dans les établissements, au sein des APEE. Vous savez de quoi je parle, etc. Nous pouvons le faire. Et beaucoup d'encouragement à nos élèves en ce qui concerne les examens officiels à venir. Merci encore. Mesdames et messieurs, on va donc clôturer cette émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain.